Alors nous sommes dans la zone Lincel, plus précisément au site de grâce Noxtella, la ville éternelle, et je vais vous montrer plusieurs autres objets ici. Alors on va monter les escaliers. Attention, ici il y a un garde qui patrouille. La meilleure solution pour le tuer, c'est les lames éclat parce que ça le suit, sinon il saute de gauche à droite, c'est embêtant. Ici vous avez toutes les larmes imitatrices foudre en groupe. Vous continuez là. Elles font des effets de réaction en chaîne. Hein. Donc si vous en tuez une, elle explose, elle fait un effet de foudre sur les autres. Elles pètent les unes après les autres comme des bulles de savon. Ici, faites attention, il y a une boule qui roule d'en haut. C'est une larme imitatrice qui s'est déguisée en boule. Il y a un premier objet ici. Là, voilà. Une rune dorée 10. Donc c'est ici. Alors on va prendre à droite. Alors faites attention. En haut de la porte, il y a une larme imitatrice déguisée en boule. Et quand vous la tuez, elle vous donne une larme larvaire. Alors on va la voir très facilement. On va lancer un coup dedans. Elle va tomber. Ici, elle tombe même pas. Moi, j'avais réussi à la faire tomber. De toute façon, elle est coincée par la porte. Et voilà, elle va vous donner une larme larvaire. Voilà. Comme l'autre boule tout à l'heure, quand vous la tuez, vous avez la même chose. Donc on est ici maintenant, là, dans ce bâtiment-ci. Alors, on va explorer. Il y a un coffre. Voilà. Et vous obtenez un grand muguet fantomatique dans le coffre. Voilà, donc ici, à cet endroit-ci, dans le bâtiment. Donc vous obtenez un grand muguet fantomatique. Et bien voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous dis merci et à bientôt.